prochainement dans Ici Tout Commence sur TF1, Zachary, Juliana Luguette, explique à Laetitia, Florence Coste, qu'un chef étoilé lui a commandé un dessert sur le thème de la féminité. Cela n'inspire pas le pâtissier et Laetitia propose donc des idées par rapport au thème. Ainsi, la mère de Kelly aide Zachary pour développer son dessert. Laetitia évoque une anecdote liée à son enfance où sa mère lui a offert une sorte de petite boîte à bijoux, un écrin en bois ouvragé pour mettre des objets et des souvenirs précieux. Elle apporte l'objet à Zachary et celui-ci est alors inspiré. Lors de la préparation, Laetitia remarque que le chef est gêné par son bracelet et propose de lui enlever. Zachary refuse car il s'agit d'un porte-bonheur, avant de finalement accepter. Une complicité s'installe entre Zachary et Laetitia dans Ici Tout Commence sur TF1. Zachary doit partir donner cours et oublie son bracelet. Ainsi, Laetitia le récupère. Lorsque Salomé, Aurélie Ponce, se rend chez elle, sa demi-sœur ne peut s'empêcher de la taquiner sur une éventuelle relation. Laetitia affirme que ça ne va pas plus loin, mais elle porte le bracelet de Zachary suscitant des interrogations pour Salomé. Quelques jours plus tard, Zachary se confie à Joachim. Celui-ci conseille le pâtissier de tenter sa chance avec Laetitia. Ainsi, Zachary remercie Laetitia de l'avoir aidé à trouver l'inspiration. Il affirme avoir eu plein de bons retours sur son dessert. La mère de Kelly le taquine à nouveau sur la fois où il n'a pas trouvé la poudre d'amande à l'économa. Zachary renouvelle ses excuses pour cette histoire où il s'était emporté. Laetitia le rassure, mais lâche, j'aime bien te punir un peu. Zachary propose d'avoir dégage. Laetitia rejette Zachary. L'assistante d'Antoine lance plusieurs idées, une vingtaine de plannings à mettre à jour, rappeler des chefs pas commodes et archiver des dossiers. Zachary prétend ne pas être à l'aise avec l'administratif et estime qu'il va lui donner plus de travail qu'autre chose. En revanche, le pâtissier semble avoir une idée en lui demandant son dessert préféré. Laetitia n'ose pas par honte, mais Zachary insiste. Elle finit par dire, la tropézienne car elle adore la crème au beurre. Zachary lui propose de lui faire la meilleure tropézienne de toute sa vie. Laetitia le taquine et une complicité s'installe. Zachary décide alors de l'embrasser sur la bouche. Mais Laetitia le repousse après ce baiser non consenti qui pourrait être considéré comme une agression. Le pâtissier est surpris et n'arrive pas à se justifier. Laetitia le rejette, parce que je te fais deux, trois sourires, tu dois coller ta bouche à la mienne. Zachary se fait petit et s'excuse de son geste. Il lui promet que cela ne se reproduira pas. Zachary est gêné. Prochainement, Zachary va inviter Laetitia à un dîner pour se faire pardonner. Elle va se laisser prendre au jeu, mais craint de passer pour une fille facile. Elle demande alors conseil à Salomé. Celle-ci estime qu'elle doit faire ce dont elle a réellement envie. Ainsi, Laetitia pourrait choisir ou non de se mettre en couple avec le pâtissier. Si ce n'est pas le cas, Zachary subira alors une nouvelle désillusion après son ex et Constance. Un drame donc pour lui en cas de rejet de Laetitia.
Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.